pendant ces trois jours, on s'est penché sur nos préoccupations. Monsieur le ministre, les conférences thématiques ont été l'occasion d'aborder nos préoccupations. Toutes nos préoccupations. Que ce soit la production, que ce soit la formation, que ce soit la protection du fleuve, que ce soit la connaissance de la culture Bozo, nous avons eu l'occasion d'évoquer toutes ces questions, de tirer des enseignements, probablement de faire des propositions qui vous aideraient à mieux appréhender les problèmes que nous vivons. Les journées ont montré toute la richesse de notre patrimoine halieutique, en passant des poissons frais de toute espèce à des poissons transformés de plusieurs façons. Elles ont également montré le savoir et le savoir-faire des communautés des pêcheurs dans l'art de capturer les poissons, de la transformer par les expositions de photos et autres démonstrations de techniques de pêche. La journée de dégustation de poissons filmés ou radis et l'organisation de la nuit culturelle Bozo ont montré toutes les merveilles de la culture Bozo. L'amitié et la fraternité qu'ils entretiennent avec les autres communautés voisines. Je voudrais ici remercier, au nom du président de la transition, chef de l'État, le premier ministre, chef du gouvernement, les membres du gouvernement et à mon nom propre, l'ensemble des participants à ces journées. Je voudrais particulièrement féliciter les initiateurs de ces journées, notamment la plateforme des acteurs non étatiques de la pêche et de l'aquaculture PANEPAM et les organisations qui n'ont ménagé aucun effort pour aboutir à cette réussite totale. Je voudrais que ces journées soient pérennes. À cet effet, j'invite les organisateurs à saisir cette occasion pour profiter de toutes les expériences de cette première édition. Je suis pas prêt.